bon bah je reviens, je vais pleurer dans ma base et puis j'y retourne. Yo les gens, je suis le fou et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de TerraTech. Aujourd'hui on va continuer notre base au maximum. Et là juste avant de vous parler, j'ai été chercher ça. Voilà, j'ai juste été chercher ça pour pouvoir protéger de ce côté. Et notre base qui prend de plus en plus de gueule, ça c'est perfect. Plus les batteries qui se rechargent bien là. Je vais en avoir pas mal si jamais il y a un connard qui arrive. Merde non. Du coup aujourd'hui on va faire un maximum pour comme je le disais améliorer notre base. Du coup ça signifie qu'il va falloir que je bute les ennemis géocorp. Enfin ceux qui ont les blocs en mousse là, les trucs de merde. Enfin les... ouais. C'est pas si merdique que ça quand même parce que c'est ça que je cherche. Oh pas bien ça. Bon de toute façon il va se faire éclater mais bon. Du coup je vais refaire l'autre véhicule, ça fait 3 fois que je le refais. Je vais refaire mon petit véhicule, enfin mon petit, il était quand même gros dans l'épisode 2. Je vais refaire l'espèce de train que j'avais au départ. Eh j'en ai un encore? Ah bah oui je viens d'aller le chercher, je suis con. Oui c'est ça, tout le monde le savait que j'étais con, mais voilà quoi. Ah du coup il manque presque plus rien, il manque ça, ça. Et puis après une armure pour tout. Bref, ouais, nickel. Après du coup j'essaierai de l'élargir. Là pour l'instant c'est sûr que ce n'est pas très beau. Mais ah, c'est mieux que je voulais voir parce qu'il est gros et... Il y a encore quelqu'un qui veut là? Non c'est de la merde, allez on va le voir. Il s'est pété la gueule, il s'est pété la gueule le con. J'ai failli me péter la gueule. Non, 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 tu casses pas comme ça, toi. Hop là. Ta race. Non. Putain, c'est la deuxième fois aujourd'hui. J'arrête pas de les détruire, les bulles régénératrices. Il m'en faut en plus, il m'en faut plein. Allez. Je triche. Ah voilà, c'est bon. On peut y aller. Y'a quelqu'un qui me veut ? Ah oui là. Putain, j'étais en train de chercher le lance-grenade, il a atterri là-bas le con. Bon, bah j'avais dit qu'on améliorerait notre base. J'ai amélioré mon véhicule.
Il est devenu plus gros, mais plus puissant. Par contre, j'aimerais bien avoir. Ah, mais je peux peut-être aller me l'acheter alors. Ah non, je l'ai déjà acheté, je l'ai foutu sur la base tout à l'heure. Elle doit être là. C'est elle là que je veux. Genre, la batterie, ça fait un quart d'heure qu'elle est allumée, tranquille. Elle doit être vide là, non? Ah, voilà. J'aurais pas dû dire ça. Caisse à outils abandonnée. Eh ben écoute, on va faire ça. Je sais que c'est un piège, hein. J'ai pris l'habitude avec les autres games que j'ai faites. C'est un piège. Mais bon, si au moins je peux détruire des géocorps et ensuite avoir du nouveau matériel, moi je dis pas non. Perso. Plus à moins d'un kilomètre, ça c'est parfait par contre. La caisse à outils. Avant que son propriétaire ne revienne. Ah non, ah oui, c'est vrai, c'était caisse à outils. Oh putain, je suis con. Moi. Ah, mais non, du coup, la caisse à outils, c'est bon. Ah, mais non, il n'y a pas de piège. Son contenu est à vous, c'est de la merde. Bon, bah, caisse à outils abandonnée. C'est encore plus loin, mais. Et je m'attendais pas à avoir une telle merde. Au pire, sinon, j'attends le propriétaire. Ah. Ah, ouais, au pire, sinon, j'attends le propriétaire. Allez, obligé, je vais avoir la même merde que dans l'autre boîte. Tu paries combien? Y'a que ça. Y'a ça qui pourrait être cool encore. Ça, ces attaches de merde, à chaque fois que je les attache, elles se barrent. Ça, pourquoi pas. Ça, c'est l'autre partie de l'attache. Et là, y'a un petit bloc de couleur de merde. C'est parfait. Ah là là. Heureusement que mon véhicule a de grosses roues pour pouvoir faire les collines, parce que sinon je serai en galère. Mais laisse tomber. Putain, par contre, qu'est-ce que le jeu est beau. Tous les petits trucs de sable, les ombres. Le soleil qui nous aveugle. Le soleil. Quand on a le soleil dans la gueule. Voilà quoi. Par contre, faut que je sorte rapidement du désert parce que je risque d'avoir une invasion. Et une invasion là tout de suite, j'ai pas vraiment envie. D'ailleurs, faudrait que je fasse gaffe parce que ça aussi, je crois qu'il peut y avoir des invasions dedans. Je crois que là-dedans, je crois que dans les terres de Selpla aussi, il y a ça. Allez, allez. Ah oui, c'est une raffinerie qu'il me faut, c'est ça, totalement. Ah oui. Eh, 1300. J'ai failli mourir en disant ça. On est quand même à 1460. Hein. Il y a peut-être moyen qu'on s'achète un petit truc, un petit plaisir chez McDo. Et en même temps. La petite roue de merde. Juste une petite roue, ça me fait défoncer. En vrai, je vais aller. Dans le désert, ça fonctionne, mais pas là. Eh bah écoute. Allez, monte! De nuit par contre c'est le... De jour c'est très beau comme jeu. Par contre de nuit c'est le jeu le plus casse-couille. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Terra Tech de nuit. Ah merde. Allez, raffinerie quand même. Ah seulement. Ah. Attends, y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un tomber, je vais aller le buter. Eh frérot, il est où lui?
Alors. Écoute, vas-y, vas-y. Attaque. Attaque, Little Drill. Putain, il va rapporter que dalle. Bah oui, forcément. Forcément, là, ça rapportait rien du tout. Y'a pas des gros cailloux que je pourrais percer là? Oh, les jaunes ils rapportent 20 je crois. Ah y'a du vert là-bas. Ah bah go aller vers le vert. Y'a du bleu. J'ai le vert et le bleu parce que j'ai plus les noms hein. Au bout d'un an et demi je deviendrai fou à force. Parce que le vert ça rapporte 150. Le bleu je pense que ça rapporte même pas une centaine, mais bon c'est déjà ça. Ça m'évite d'aller loin. J'ai des perceuses, putain pourquoi je les utilise jamais. Ah j'ai du plomb. Allez, allez. Allez enculé. Ah merde, encore. Ah parfait, je vais me faire un. Je vais me faire un max de cash rien qu'avec ça là. Bah, le fabricateur j'utiliserai jamais, que ce soit dans mes plus grosses bases ou dans les plus petites. Il me servira jamais. Le fabricateur pour moi c'est inutile. Franchement, à quel youtubeur. Regardez juste les gameplays de Spy Cakes. À aucun moment il en a mis, mais il les a jamais utilisés. Jamais. Déjà juste ça c'est un bon argument donc Là je commence à en avoir pas mal. Ah mais j'en ai. Ah j'en ai encore une là. Ça va être deux fois plus rapide du coup. Ah merde, j'ai oublié de mettre les autres collecteurs. Je suis con. Allez, l'autre. L'autre. Voilà. 1200 et quelques, c'est propre. Bah du coup le bon bah je retire ce que j'ai dit, le fabricateur il va me servir. Allez on va accrocher ça là, là. On va accrocher ça, on en accroche. Voilà, il me sert à ça le fabricateur. Ouais ça recouvre pas tout mais au moins ça recouvre une partie. Là on ah du coup j'ai le 4 côtés de bulle bouclier. Ah c'est cool ça. Déjà? Bon bah écoute, on va pas se plaindre. On va y aller d'ailleurs. Bon. En vrai, ça va. Hein. Comme véhicule GSO, au départ, c'est un bon véhicule celui-là. Oh! On va se faire ça de ouf, on va se faire ça. Battez les gardes rebelles. On va avoir une base en plus. À 500 mètres, oh c'est parfait. Wow la vache le tank. C'est quoi ce truc? Bon bah écoute on va s'en faire un des deux. Genre celui qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous fusiller, mais bon oh, allez ça va. Bon, maintenant j'ai l'autre en face. Oh, il fait mal. Oh, il m'a fait mal. Mais. Hein? Quoi? Genre, j'ai bad. Ok. J'ai fait une mission sans le faire exprès. Ah, il m'a déglingué l'avant. Quel bâtard. Je veux cette station rebelle. Je la veux. Ah parce que là mec, si j'arrive à avoir cette station, mais là, laisse tomber. Je suis refait. Allez, j'en prends un des trois. Que je vais caler là, et puis voilà, comme ça je vais me recharger avant. Allez, battez les gardes rebelles.
Ah oh, oui, le jardinier. Alors, du coup, la base. Ça, la base. Ça, on est d'accord, ça, c'est la base. Tu comptes me faire quoi, toi? Putain, j'ai encore un bloc à sauter. J'aime pas, je suis. Les batteries sont en dessous. Ouais, écoute, on va dire que c'est bon. Ouais, c'est tarpi. Oh, c'est petit ou c'est pas si petit que ça en fait. Wrong way, je m'en bats les couilles. C'est toi là. C'est toi qui peux me aider par contre. Marcher, c'est toi qui peux marcher. Va crever. Ouf ça dans ta gueule. Alors, c'est lequel des deux la base? Ça, c'est la station. Donc, du coup, faut que j'aille là et que je fasse tac. Ouais, ça, de ouf, ça, c'est la station. Ok, on va se faire la tour. La petite tourelle qui est à côté là. Ouais, c'est ça, c'est la tourelle qui est à côté. Et ouais, allez, boum! Ah, j'ai le double de ce que j'avais dans ma base. J'ai le double maintenant. Tout ça, c'est à moi. À moi. Rien qu'à moi. Il s'appelle Jenny, la conne. Ah, yes. Bon, bah, du coup, j'avais. Ouais, voilà, c'est là, là. J'avais détruit un gros véhicule avant. Mais bon, on va faire ça. On va passer dedans. Et puis voilà. Ah, du coup, j'ai la base, j'ai une base complète maintenant là. Oh, c'est beau. Bon bah les gars, c'est tout pour aujourd'hui, on a vachement bien avancé. Qu'est-ce qu'elle fait elle encore? Ah d'accord. On a vachement bien avancé, je pensais... Quand je disais que qu'on allait avancer notre base, j'avais oublié qu'on avait une mission là-dessus. Et bah du coup j'ai... Putain, j'avais même pas besoin d'en acheter une. Du coup on a le double de notre équipement, la base va prendre fin... Enfin la construction de la base va prendre fin dans pas longtemps. Elle a déjà pas mal de gueule et pas mal de batterie aussi.